Yeah, il a mis.
J'ai un peu trop baissé. T'as, j'ai mal au poignet. Une de ses forces, mec. Fallait taper en force. Fallait y aller. Fallait envoyer du lourd. Ça fait... pas une semaine. Ça fait pas deux semaines. Ça fait pas trois semaines. Ça fait... pas quatre semaines. C'est la cinquième semaine d'absence. Et ça n'allait pas. Mais maintenant, j'ai plus de problème de batterie avec mon... appareil photo. Donc tout roule. A priori, j'ai compris que si je me tapais au centre, eh ben, il mettait au point. Donc ça... Non. Normalement, oui, mais là, non. Là, il a plus envie. Il a dit fuck. Tu vois, il se met sur la guitare qui est d'ailleurs, qui est dans le fond, mais j'ai pas envie qu'il fasse ça. Donc voilà. Là, j'ai mal à la main. Mais... sur le Discord, tu veux le backing? Mais ouais, ça va, attends, je te l'envoie, regarde. Vu que maintenant j'ai mon GSM à portée de main, regarde, j'ai dans mon historique YouTube. Voilà, mince, c'est mauvais. Hop. Partager. Copier le lien, et j'ai sur Discord. Alors tiens, dire, c'était plus simple de faire via l'ordi. Mais non, parce que Discord, il est pas ouvert sur l'ordi. Ah ouais. Donc, on va envoyer ça dans le repère des musiciens. Voilà. Ah bah ouais. Voilà. Ça va les gars? On se fait un truc un peu plus calme. Genre celui-là, regarde. Hop, celui-là, il me parlait bien tantôt. Voilà, celui-là. Un truc un peu plus cool.
Voilà, là je me sens un peu plus calme. Comment vous allez? Qu'avez-vous fait? Pendant mon absence, comment ça s'est passé le mois de mars, de janvier? Janvier, qu'est-ce qu'il y a avant février? Il y a janvier. D'ailleurs, j'ai jamais reçu faire janvier, tu sais, le truc où tu sais que c'est 30 et 31, mais j'ai jamais su faire ça. On m'a jamais appris, et enfin, si, on m'a peut-être appris, mais c'est pas le genre de truc sur lequel on a insisté, et d'ailleurs, j'ai jamais retenu. Voilà. Je prépare le clip pour mon groupe Talks Tales from the Peaks. Ah, c'est cool! C'est quoi le pitch? C'est quoi le pitch? Nous vous voulons donc plein de trucs à apprendre, mais c'est cool. Ah, c'est vrai, Oli! T'as changé de boulot! Qu'est-ce que t'as maintenant comme boulot? On va remettre de la musique, je l'ai coupé un peu brutalement, mais c'est normal. Voilà. On remet le petit Twitch dans le fond. Donc, oui, effectivement. Brock Sound, t'avais bien vu, c'est la playlist de Liège, là. Il y a plein de trucs que je connais pas, du coup, je me suis dit que c'était le moment. Alors, je me suis dit... En fait, je sais pas si vous regardez la chaîne de Julien Chiez, le type... c'est un Français qui fait tout ce qui est... les news de jeux vidéo, en fait. Voilà. Donc, il s'occupe des news de jeux vidéo, et il publie, mais genre, un tas de contenu, le type, il arrête pas, quoi. Et il a toujours une tasse avec lui. Retenez ça. Cornillateur de la maison des jeunes de mon village. Ah, cool, cornillateur. Ça, c'est trop la classe. Les coordinateurs, c'est toujours les types super sympas. Moi, je me rappelle des, celui de Warhem. Et c'est tout. Mais c'est Stéphane. Hein, Stéphane. Allez, allez. Stéphane! Ce qu'on appelle toujours Stéphane. Vous avez déjà vu la vidéo où c'est y a une petite chinoise qui... une petite chinoise, une petite asiatique, à qui on lui dit, tu peux appeler Stéphane? Elle fait, oh non, je suis pas sûr. Si, appelle Stéphane, appelle Stéphane. Je sais pas. Si, appelle Stéphane. Ok, Stéphane! Et elle appelle Stéphane comme ça, elle sa gueule, c'est méga grave et tout. C'est trop la classe. Donc du coup, on appelle Stéphane dans le groupe à vous. On l'appelle pas Stéphane, en fait. On l'appelle Stéphane! Voilà. Très, très violent. Oui, elle est mortelle, cette vidéo. J'ai entendu mon ancien projet, c'est pour ça que j'ai compris que c'était la playlist de Liège. Ah bah oui, voilà. C'était quoi ton ancien projet? C'est quoi ça qu'on entend? The Lucky Troll. Ouais, ils font ce genre de musique. Il y a plein de trucs que je connais pas, c'est vraiment la honte. Enfin non, bref. Ah oui, attends, oui. Donc, coordinateur de village, ouais. Donc, c'est. Bah oui, donc Stéphane faisait. Parce que je perds le fil de mes idées, hein, comme à chaque fois. Stéphane était coordinateur de la maison des jeunes. Et bah, il était super gentil. Moi, je l'ai vraiment bien aimé, ce gars. Heureusement, là, parce que je suis toujours avec lui, quoi. Non, mais. Bah, plein de bon courage, Oli, à ce boulot. Et j'espère que tu t'y plais. Parce que c'est cool comme boulot. Moi, je trouve ça chouette. Je trouve ça vraiment cool. Donc, voilà. Et donc, vous pouvez voir. Alors. Qui sait ce que je tiens en... Regarde, je vais la tenir comme ça tu sais. Est-ce que vous aimez ma tasse? Parce qu'il n'y a rien de plus. Il n'y a rien qui me représente plus que les Audix D6. C'est Underclass Fuckers, ton ancien projet. Ah ouais, ah oui, ok, oui, c'était le truc avant. Ah, cool. Donc oui, j'ai une tasse. Comme Julien Chaise, où il fait tout un plat avec sa tasse, mais sauf qu'il n'a pas une tasse en particulier, c'est juste qu'il a toujours une tasse, quoi. Et ben moi... Attends, parce qu'il faut que... Si je fais ça, je pense qu'il fait... Voilà. J'ai une tasse Audix D6. Parce que l'histoire, c'est que j'adore les D6. Les D6, je trouve que ça tue. J'en parlais hier avec mon collègue, qui n'était pas d'accord. Sur le fait que les D6, bah, il ne trouvait pas que ça tuait vraiment. Mais moi, je trouve que ça envoie à crever le D6. Et du coup,
Moi, j'aime bien mettre des 6 grosses caisses. J'aime bien mettre des 6 sur le premier tome, le deuxième tome et le troisième tome. Et des fois, même que j'aime bien le mettre sur la caisse claire. Parce que c'est cool. C'est un peu comme... je sais que j'avais trouvé une caisse claire qui était méga classe à l'époque. Il faudrait que je me rappelle. Fat. C'était une en bois, elle était méga grave. C'était une. Mais je me rappelle plus la vidéo, je retomberai pas dessus parce que c'était beaucoup trop grand. Je pense pas. Parce que si je tape Big Fat Snare Drum, eh ben on va tomber sur le truc, l'espèce de peau que tu rajoutes pour qu'elle devienne fat à mort. Mais j'ai pas retrouvé la caisse claire dont je parlais en question. Elle ressemble à mort. Bah ouais, elle ressemble à mort. Hé, hey, salut le Silex, ça roule ou quoi? Ah, j'aime bien ton petit smiley, ton petit emote. Sur le Ractum, ça doit être méga lourd le D6. Non, ça va. Mais ouais, faut l'accrocher, faut bien l'accrocher, mais honnêtement, ça tue. Le gros avantage, en fait, c'est que c'est plus vite directionnel dans les graves, en fait. Et j'ai l'impression que quand tu as un batteur qui tape, la caisse claire va moins déclencher le gate du premier tome, en fait, qui est souvent là que ça repisse le plus, en fait. Ça roule le tas. Maintenant que je suis affilié, j'ai pu faire mes emotes, c'est cool. Yeah! Ah ouais, putain. Tu stream? Putain, moi, en plus, franchement. Ah ouais. Mince, moi je vais aller voir. Tu streams quoi, le Sidex? Ou alors on en avait parlé, j'avais déjà oublié, je sais plus. Chuchoter, suivre, chuchoter. J'aimerais bien voir le truc de Sidex. C'est quoi la musique? Ça me parle moins. J'aimerais bien voir ta chaîne. Attends, je vais aller direct sur Twitch. Ce sera plus simple. C'est quoi la musique? Oui, sophasé, réseau, phasé, je connais pas. Attends. Je suis désolé, je vais mettre autre chose. Parce que c'est pas mon style, la musique. Voilà. C'est quoi ça? My bad, bad man. Bootplug. Ah oui, bootplug, je connais. Alors, on va taper la Synex hein, sur. Oufti, t'as commencé Hogwarts Legacy, quoi. Oh, le bâtard. T'as commencé depuis combien de temps? Que par accident. J'avais prévu de vous suggérer comment la trouver en marchant près de. Excellent! Attends, je vais mettre. Regarde, tu vas mettre, on va mettre là. Comme ça, on voit. Voilà! Ça, c'est la chaîne de la CX, si vous voulez suivre. Je sais pas, je te. Yep. Voilà! Trop cool! Et quoi, bienvenue dans le game! Pas seulement du multigaming, mais depuis hier et pour un moment, probablement, ça sera Hogwarts Legacy. Bah oui, Bah, ah oui, oh, je vous ai pas dit. C'est vrai que j'ai peut-être pas, j'ai pas insisté dessus parce que du coup, je fais plus de gaming. Enfin, je fais pas du gaming. Je vais quasi plus faire du gaming sur cette chaîne-ci. J'ai acheté une PS5. Pompé l'up. Elle est stylée cette PS, les joueuses. Bah oui, c'est parce que t'es dessus. Moi aussi. Ouais, j'ai acheté une PS5 et je l'ai depuis 2 ans. Tu l'as depuis 2 ans, toi? Moi, j'ai. Enfin, moi, j'attendais. En fait, j'attendais vraiment parce qu'il n'y avait aucun jeu qui me plaisait. Et en fait, bah là, il y a Star Wars qui devait sortir bientôt. J'ai attendu. Et quand Star Wars a été annoncé, initialement prévu pour mars, alors j'y suis allé. Je l'ai chopé, sauf qu'il a été décalé en avril. C'est pas grave, ça pour mon anniversaire, quasi à 2-3 jours près. Et donc,
Putain, je me perds. Tu sais ce que je viens de me dire ? Je viens de me dire, tu dis beaucoup « e » et je me suis fait ça à la réflexion pendant que je parlais et du coup, je me retrouve à dire que des « e » parce que je sais pas ce que je vais dire. Parce que enfin, si, non, mais je perds le fil de mes idées, c'est extrêmement énervant. Alors, oui, donc la PS5, je l'ai. Et on va jouer. Pour l'instant, j'ai acheté Last of Us 1 parce que je l'ai jamais fait, en fait. J'avais regardé un playthrough à l'époque. Et vu qu'il est sorti sur PS5 et que là, t'as toute la hype avec la série, que je suis en train de regarder la série, j'ai vraiment envie de faire les deux, en fait, en même temps. D'ailleurs, il faut que j'avance parce que l'épisode sort samedi. D'ailleurs, vous avez bien aimé, vous avez regardé, vous ? Moi, je regarde à fond. Et l'épisode sort samedi. Et il faut absolument que j'aille plus vite que... Enfin, que j'avance, que je fasse ce qui va être prévu dans l'épisode, en fait. C'est un petit challenge que je me suis mis, quoi. J'attends de finir ma Xbox One, puis je verrai vers quoi je vais. Faudra voir. Hein. Après, là, les jeux commencent à sortir, quoi. Enfin, ça a mis tellement de temps, ça a mis... 2 ans avant que les jeux sortent, quoi. La série est folle, à fond. Moi, j'ai vraiment adoré Last of Us. On regarde avec Virginie et avec Blue Asia. Oups. On se fait bien plaisir. Voilà. Et donc, Hogwarts Legacy, je sais qu'elle adore Harry Potter. Donc, on l'aura vendredi. Parce qu'il sort vendredi, je pense. Ah, je pense qu'il va y avoir Rick qui va venir aussi. Rick sera là, je pense. Si je vais essayer de le choper et qu'il vienne, qu'il passe à l'appart. On fera peut-être une découverte au Hogwarts Legacy. Et puis après, on se fera un Overcooked à 3. Ça va être drôle. Ah ben, on va l'acheter, Tracasse, c'est prévu. Ah, t'es là, toi. Elle vient d'arriver, quoi, à ce moment-là. Le jeu est vraiment incroyable. C'est vrai ? Mais a priori, justement, j'ai regardé moi la review de Julien Chiez et il dit que c'est toujours. Enfin, que c'est mieux que ce à quoi il s'attendait. Et il avait déjà de grandes espérances. Enfin, il s'attendait déjà bien. Et il n'a pas été déçu et au contraire, quoi. Donc vraiment, pareil que c'est cool. Voilà. Pareil que c'est cool. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui. J'ai quelques nouvelles à vous. Oh, merci le Silex. Il faudra absolument que je passe un tel live et que je vienne te dire que je vienne te faire un sub aussi. Ce serait cool. Pas toujours se fier à GHS. Oh, moi je trouve que. Non, je me fie pas tout le temps sur ce qu'il dit. Mais je trouve que le type a beaucoup. Je trouve qu'il gère très bien le fait qu'il est énormément suivi et qu'il ne faut pas prendre son avis comme la vérité vraie. Il dit toujours, c'est son point de vue et il met toujours énormément de gants par rapport à l'avis qu'il donne. Il dit, voilà, c'est juste que mon avis, quoi. Et ça, il fait super gaffe et il tombe toujours sur des gros... Enfin, comme tout le monde, tu vois, mais tu tombes sur tellement de gens qui te font chier dans les commentaires ou t'as toujours des gens qui sont rageux, des gars qui vont te faire chier. Et il arrête jamais d'insister sur le fait que c'est juste que son avis ou que... En général, il n'insiste pas sur essayer d'imposer son avis. Enfin, moi, je trouve. Ouais. Moi, j'aime pas trop le type. C'est dingue, en fait. C'est moi qui aime bien ce type ici, dans le coin, en fait. Ça, c'est bizarre. Faudrait que je demande à Blue Asia, est-ce que t'aimes bien les vidéos que je regarde? Parce que moi, je... Depuis le Covid, du coup, je vous ai déjà parlé de ça, mais depuis le Covid, j'ai besoin d'avoir un fond constamment de... Je dois toujours avoir un truc. C'est comme la radio, quoi. Il faut qu'il y ait un truc dans le fond qui se passe. Donc, quand je me lave, je tape Julien Chiez. Comme ça, j'ai des news sur le jeu vidéo. Et puis après, quand je sors de ma douche, je tape Trogly. Trogly Guitar Show. Donc, c'est là que j'ai toutes mes infos Gibson. Je suis K-Pose. Donc je fais ça, le matin, je tape une vidéo, et puis après, souvent je la termine pas, parce que ça fait plus de 25 minutes, et moi je dois me préparer en 15, voire 20 minutes, et du coup je la termine souvent quand je vais aux toilettes, quand j'arrive au boulot. Voilà. Mais voilà, je n'aime pas, donc je regarde pas, et donc je ne recommande pas. Mais à force, il me saoule. Mais ça c'est le risque, en fait. Le type, il arrête pas, quoi. Il fait que ça, quoi. Waouh, Kevin malade. Et... Ouais, tu vas me dire, je fais beaucoup de musique aussi, mais c'est chaud, quoi. J'aimerais pas faire que ça, il doit travailler quasi que chez lui, c'est
Ça doit être extrêmement énervant. Moi, je crois. Voilà. Alors, j'ai plein de news aussi à vous raconter, mais je vais vous raconter après. On va peut-être commencer direct par ce pourquoi vous êtes là. Enfin, non. En tout cas, par le truc intéressant qui se trouve là. Et là, le focus ne change pas. Tandis qu'à chaque fois que je me décale du centre, ça change. Et oh! Et toi? Non, t'es... Oh, cet appareil photo, je le comprends pas. Sérieux, je le comprends pas. On est là pour toi. Qu'est-ce qu'il a? Raconte. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, on est là pour toi, va. Ah oui, oui. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah oui, ok, 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 mais ça va. Oui, non, non, bah oui, vous êtes là. T'as fait une live, là, de faire le zoom sur la putain de... Ça va. Bon, allez, bref. On va passer au... Enfin, l'unboxing. À la guitare. Donc, vous savez que c'est... Je l'ai mis dans les photos, donc vous voyez à quoi elle ressemble. Et en fait, un peu comme beaucoup des guitares qui passent par ici, je suis vite tombé amoureux de cette guitare et je l'aime vraiment, vraiment bien. Déjà, il ne met pas de timecode, ce qui me casse les couilles. J'ai pas envie de mater 18 minutes de vidéo tous les jours pour une info que je peux check en 2 minutes. Mais c'est pour ça qu'il fait des petits formats aussi. Enfin, je sais qu'il te répondrait ça, en tout cas. il fait des petits formats. Et moi, genre, je me fais chier à mettre des timecodes sur les trucs YouTube, sur mes vidéos, les lives que je ressors, et ils prennent pas. Enfin, genre, ils sont mis dans la description. Ok, génial, mais ils sont pas dans la timeline. Donc ça, faut que je regarde. J'y ai pensé avant-hier. Je me suis dit, tiens, il faudrait que je tape la recherche sur Google. Why no timeline mark watermarks but in description. Mon anglais. Donc, aujourd'hui, le tic est en toi. Donc, c'est une guitare que je trouvais vachement sexy quand elle était sortie, c'est-à-dire il y a 10 ans. Plus. 2009. Ça fait 14 ans. Pouah, et je vais en avoir 30. C'est la merde. Alors, encore une guitare où tu es amoureux. Oui, je sais. Je sais. Who to make, mes meilleures recherches. Who to make? Ça veut dire quoi? Qui pour faire? Et c'est comme ça dans quel contexte? Colin McLowell, bonjour. Bonjour, merci pour le suivi. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. On commence l'unboxing. Alors. Donc cette guitare. Alors, elle vient avec un de ces manuels. J'ai 30 pages de manuel. Hein. 30. Pas facile. Et tout se. Enfin bref, tout se fait. Salut mec. On se connaît. Colin Mac. C'est Colin McLowell. Comment ça se dit? J'adore. C'est Anto. Oh, Anto. Ah, Anthony ou Anto Tonio ou Colin McLowell. C'est un drôle, non, hein? Quel rapport avec Anto? Quel rapport avec Anto? Hoopa, ah, how to make, correcteur de misère. Vous regardez sur vos GSM, en fait? Ou moi, yes, c'est Candy, mec. Yeah, on a gagné Candy Custom. Alors, oui, que j'ai revu récemment, et je vais quand même vous montrer des photos de ce qu'il a fait. Je vous fais ça après. Pas. Alors, il y a un truc, j'ai revendu il y a 3 ans, 4 ans, 3 ans, 3 ans, 2 ans, quelque chose comme ça, ma Billy Joe, que Braxand connaît bien. Donc c'est la signature Billy Joe Armstrong, une Gibson, et elle avait un hardcase de malade, qui était un hardcase en peau de léopard. Mais, il y a mieux qu'un hardcase en peau de léopard. Il y a un hardcase en peau de tic. Et ça, c'est encore plus la classe. Alors,
La Gibson Dusk Tiger. Pouah ! Si ça, c'est pas... J'hésite entre kitsch et beau. Moi, je trouve ça beau quand même. Beau, 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 beau. Pourquoi je ne l'ai pas acheté? Parce qu'elle avait une manche cassée, hein, donc je l'ai revendue pour pas cher. T'entends comme ma voix est différente parce qu'elle touche une autre surface et t'as des problèmes de phase qui se font. Regarde, t'entends, hein? Une dénaturation de la voix. Voilà, bref. Mais qu'est-ce que... C'est une Gibson Dusk Tiger. Est-ce que vous la connaissiez? Ça m'intéresserait de savoir si vous la connaissiez ou pas. Alors, c'est de l'USA. Ce n'est pas du custom shop. Dans le sens où on reçoit le petit papier de d'habitude. J'espérais voir une tête, mais je vois... Ouf, t'y la tête. J'ai failli, hein. Enfin, j'ai failli. Non, j'ai pas faim. Si, ça, j'ai hésité. En fait, on était là avec Dom. Et la petite histoire... Ouais, non, il y a une petite histoire quand même. Je vais vous la raconter. J'ai déposé ça. La petite histoire, c'est que on doit aller... On passe chez Omega Music après le live de Classic 21 avec Behind the Pint. Donc, je suis avec Dom. Et avec Dom, on arrive au magasin. Lui, il doit parler à quelqu'un, je sais plus. Et moi, je fais un petit tour. Alors, ce qui est cool, c'est que c'est quand même un chouette magasin. Franchement, moi, je me rends bien ce magasin. Il y a vraiment plein de trucs. Il y a plein de trucs hype. Plein de trucs que tu vois sur Instagram et que tu vois là. Et ça, je trouve ça vachement cool. Qui passe maintenant son projet? Ah ouais, donc bah oui, c'est local. C'est forcément, c'est Liège. Le chanteur de Tales from the Pics. Ok, donc de ton groupe. C'est cool. Dans le fond, ça passe vraiment bien. Parce que du coup, je serais pas de dire « Ah, oh, ça tue, ça me parle à mort », mais dans le fond, ça me parle bien, en tout cas. Et donc, on est dans ce magasin, et je passe un peu partout, et je vois une tête plexi noire. Alors moi, vous connaissez l'amour que j'ai pour les plexi. C'est pour ça que j'ai acheté le quad. Parce que le plexi était vachement cool dedans. Alors, je vois une tête noire, complètement noire, plexi. Je me mets... Ça me dit rien. Après, il y a été écrit Meshuga. Je sais pas comment le dire. Meshuga. Voilà. Il y a été écrit Meshuga dessus. Et je fais... Peut-être que je l'ai simplement loupé parce que c'est un groupe de métal et j'en sais rien, quoi. C'est possible. C'est possible. Et donc, je vais demander au gars. Je dis, je peux la tester? Il me fait, ouais, sans problème. Donc, je vais la tester. Et je me rends compte qu'elle sonne quand même fort comme l'AFD-100. En tout cas, sur certains points. Elle a vraiment... donc, l'AFD-100, c'est le Marshall... Marshall Slash. Elle sonne fort comme un JCM un peu boosté, un peu acide, comme ça. Je fais, ah, elle est cool. Mais en plus, vu que tu as tous les réglages d'un plexi, elle est beaucoup plus versatile, parce que tu peux aller beaucoup plus loin dans le gain, tu peux faire un clean, parce que la FD 100, tu sais pas faire un clean, c'est mort, c'est dégueulasse. Donc, je me dis, elle est quand même cool, cette tête, et elle remplacerait bien la FD 100. Puis je parle au gars, je dis, écoute, elle est vraiment cool, ça vient d'où cette tête, enfin, ça, depuis quand elle est là? Il dit, elle vient d'arriver, quoi, hier. Hier, elle vient d'arriver. Et on l'a. Et c'est un truc de chez Fortin. Et je dis, ah, et ça coûte combien? Il fait. Mon gars, la tête, elle coûte méga cher. Donc, alors, la tête, je vais vous la montrer. Hein. Suga, Fortin. Voilà. Je vais vous la montrer. Je vais vous montrer la tronche qu'elle a. Ouais, voilà. Oh, elle est quand même belle, hein. Faut quand même avouer que... Regarde. Voilà. Yop. Ça, c'est la tête en question. Elle est classe. Elle est quand même méga belle. Et donc, il me dit... Ouais, le prix, c'est 6002, 6003, 6005. Moi, j'ai retenu 6005. De toute façon, c'était méga cher. Je fais 6005. Ouais, limité 50 exemplaires. À 50 exemplaires, il n'y en a que 50, et Omega en avait un à ce moment-là, pour en recevoir encore une poignée, si j'ai bien compris, donc à Vosheki. Et je fais waouh, mince. Alors,
Je me suis dit, c'est vrai que l'AFD, c'est un ampli fragile. Ça, je le sais. Et je suis tombé sur un qui était en nickel état, qui venait d'être révisé et qui marchait, quoi. Et que je trouvais, le seul truc dont je lui reproche, c'est que on dirait qu'il y a un high cut à 8 kHz. Et donc, t'as rien au-dessus. Et donc, quand je le compare à un autre ampli, à un autre plexi, eh ben, il a exactement le son qu'il faut, mais sauf qu'il n'y a juste pas d'aigu. Enfin, il n'y a pas de suraigu, en fait. C'est assez bizarre. Et donc, je me suis dit, bah, de toute façon, je pourrais peut-être revendre l'AFD. Et puis, il y a l'SG Junior qui traîne, qui est là. Oui, parce que l'SG Junior, en plus, il y a eu tout un petit bazar sur le fait que j'ai eu peur que le truss rod était cassé, parce que, en fait, le truss rod dépassait déjà de la petite noix quand vous voyez un truss rod. Sauf qu'apparemment, c'était de base comme ça. Donc, j'ai fait vérifier par un type certifié Gibson, qui habite pas loin en plus. Bref, donc j'ai envisagé à un moment donné de me dire, ok, je la répare et je la vends. Et donc, j'ai parlé à un des gars de chez Omega, parce qu'ils ont un compte Reverb et que ça m'est déjà arrivé de leur demander s'ils étaient intéressés par des échanges, vu que je revends des guitares des fois, enfin non, je revends des guitares, vous savez bien, et ben, j'aurais déjà envoyé des messages pour des échanges, mais il n'y a jamais rien qui s'est fait. Je me dis, tiens, peut-être un échange, la FD100, plus la Junior. Mais bon, c'était déconné, et j'ai quand même besoin, et je le dis à chaque fois, il me faut, en fait, j'ai envie d'économiser pour une maison, donc il faut que je puisse mettre de l'argent sur le côté, et pour l'instant, c'est à chaque fois, ouais, un réinvestissement, puis je me retrouve quand même en décalage, donc il faut que je réinjecte dans le compte. Donc c'est toujours en manque. Et donc là, je me retrouve, si je faisais cet échange-là, c'était pour me retrouver avec une tête qui allait certes prendre de la valeur, mais qui valait 6 000 balles. Et que de toute façon, je comptais pas garder c'était pas viable de la garder sur le long terme. Ce serait déconner de partir en concert avec une tête comme ça, parce que si elle prend un coup, t'imagines. Ce serait déconner, c'est un truc qui doit rester chez toi. Enfin, tu vois, ça va pas, quoi. À la maison, ça se fait pas finalement. Si, si, ça se fait, mais on a pris beaucoup plus de. En fait, Blue a Asia a emménagé ici à l'appart. Donc pour l'instant, on va plutôt économiser. Parce que l'immobilier maintenant c'est en train de. On est encore plus ou moins confort, ah, vite fait, hein, avec un taux d'intérêt qui était plus ou moins bloqué parce qu'on avait fait une demande il y a 3 mois et qu'elle était passée, mais sauf que la maison était pas et nous avait fini entre les doigts, donc on se retrouvait avec un accord de prêt et donc on a un peu regardé, mais là les 2 derniers mois il n'y a rien eu quoi, c'est l'enfer. Et quand tu vois le prix des maisons, pour l'instant c'est encore un peu en train d'augmenter, ça craint. Les taux d'intérêt ont réaugmenté, donc maintenant si on refait une demande, on va se prendre 1% en plus au minimum, donc ça fait méga cher. Donc voilà. Donc pour l'instant, la maison elle est un peu moins sur la table. Donc voilà, c'était pour la petite histoire. Donc au final, j'ai pas pris la tête méchouga. Je ne l'ai pas revendu, mais j'ai revendu le Marshall, la FD100, et la Junior. Pour la SG Junior, ça c'est pour le projet qu'on va faire juste après. Et le Marshall AFD, pour tout vous dire, je me suis dit, rien à foutre, j'adore le son de l'AFD. Donc j'ai cherché toutes les modes qu'il y avait. Il y a des modes 34, mode 36 et mode 39, plus ou moins. C'est les plus familières sur des Marshall type Plexi qui se font pour avoir un son dans ce style-là. Et donc, j'ai cherché des schémas, j'ai cherché des trucs. J'ai un ami qui va monter un tube, un kit Tube Town, un kit TAD, quoi. Il va le monter, ça va être point par point. Comme ça, si je veux le réparer, il n'y a pas de problème. Il va ajouter la mode dessus. Je vais avoir une boucle d'effet. Et mon ami Colin McLowell, donc Candy Custom, qui a refait le Seiatone que j'avais, qui était noir, qu'il a refait tout en blanc, qui est super sexy d'ailleurs. Et ben, il va me faire un beau Hetchel blanc. Donc, je vais avoir un AFD à moi, sans coupure dans les aigus, ça je suis sûr, qui aura une tête de plexi, qui me conviendra mieux dans le look, dans le son, et qui sera beaucoup plus versatile que l'AFD, et beaucoup plus solide. Voilà.
Donc ça, c'est le plan. Et en plus, vu que l'AFD vaut pas mal d'argent, et que c'est une pièce de collection, je récupère un peu d'argent dessus, donc c'est pas plus mal. Voilà, ça veut dire que ça, c'est sur le compte des économies. Voilà. L'ASG est parti, et je vous explique ça après. Donc, on parlait... Donc c'était une longue histoire, je suis désolé les gars, mais bon. Bon, mais petit cas pour une tête à part dans un studio chez soi, et encore... Ouais, c'est ça, une tête, l'ambiance, c'est que moi, je vais la défoncer. Si vous verriez l'état de la MS que j'ai depuis deux ans, je sais pas, un an, deux ans, un peu moins de deux ans. Je sais pas quelle est la limite entre les deux, c'est vague. Oh, telle belle réflexion, là, c'est beau, ça c'est beau. Ouais, j'ai perdu le fil. Ouais, donc 6K, je sais pas, une tête à 6K, je sais pas où je vais l'amener. Ça va pas aller, quoi. Quoi, je vais faire une capture ouais. Ah non, c'est pas marrant. Ça craint. Bon, de toute façon, des captures, il va y en avoir. Alors, la Dusk Tiger, c'est une guitare robot. Donc, ça veut dire que ça vient avec tout ce bordel à l'arrière de la tête, l'auto-tune, là, mais le vrai auto-tune. Alors, c'est une guitare forcément qui est limitée à 1000 exemplaires. C'est le modèle 384, enfin, c'est l'exemplaire 384. Et si vous regardez derrière, vous avez une belle enfin, un beau motif de tache de tigre à l'arrière, avec un petit emplacement pour une batterie. Et j'ai un chargeur de batterie. Elle vient avec... Alors là, je suis désolé. Elle vient avec un boîtier qui ressemble à... Qui semble à ça. Attends, si je fais ça... Ouais, enfin bref. C'est un boîtier Gibson, quoi, en fait. Qui sort du MIDI en 9 broches. Du Firewire 400. C'est l'enfer. J'ai dû aller sur les archives d'Internet pour essayer de trouver une image du site de Gibson pour pouvoir accéder au téléchargement des deux programmes qui viennent avec la guitare. Pour vous dire, c'était déjà l'enfer déjà là. Alors après, il fallait que je trouve un ordinateur pour pouvoir accepter du Firewire. J'en ai trouvé un. Là, ici à côté, j'ai un vieux MacBook portable blanc. Les vieux blancs, là, les portables blancs avec la coque en plastoc, là. Il y a ça. Sauf que ça marche pas. Parce que je passe par une conversion Fire 800, 400 vers 800. Et ça, il veut pas. Donc, il faut que je trouve un ordinateur avec du Firewire pour pouvoir brancher ça et pour pouvoir modifier complètement la Dusk Tiger. Je sais pas si je mets autre chose. Ça me parle moins, ça. Moi, j'ai envie d'un truc qui tape quand même. Ah oui, attends, je suis pas sur le bon... Faut que j'ai... Oh mince, attends. Voilà. Je fais ça, je vais là, et puis je vais là. Non ? Ok. Tu veux toujours pas ? Ok, si je fais ça. Je sais pas ce que c'est. Moi, j'ai un truc qui tape. Ok, tu veux pas. Atomic Deluxe. Ouais, l'enfer. Le truc, c'était le bordel pour essayer d'avoir des infos sur comment ça marchait, etc. Bref. C'est pas grave. Donc, ouais, j'ai un peu aussi retardé là, j'avais une possibilité pour le faire la semaine dernière, sauf que j'étais pas prêt, je voulais vraiment essayer de travailler sur des guitares-là. C'était un peu serré dans l'horaire, et je voulais vraiment essayer de la connecter à l'ordinateur pour que le live soit un peu plus intéressant, mais j'ai pas réussi, voilà. J'ai pas réussi, il faudrait que je trouve un autre ordinateur, et là ça commence à devenir tendu. Donc, voilà. Pour l'instant, en tout cas, peut-être que si je trouve, je vous tiendrai au courant. Voilà. Donc, cela, néanmoins, on peut quand même complètement... utiliser la guitare sans problème. Alors, une des features qui est méga cool, c'est que, en fait, le switch sélection de micro, en fait, il a aussi un bouton rotatif. Un peu comme les codes contexte, tu vois. En fait, ici, ça tourne. Et en fait, ça contrôle le volume du piezo. Ça, c'est classe. Je peux aussi sortir de la guitare avec un XLR pour un signal low impedance. D'ailleurs, on pourrait essayer si je trouve... C'est quoi, on va essayer quoi d'autre aussi? Oui, alors, donc forcément, ici, c'est le micro chevalet. C'est un...
Burst Baker. Et c'est un H90 qu'on a ici. Donc H90, c'est un peu c'est comme la signature de Green Day, justement. Ce sont deux pennantes, et donc on peut jouer avec les deux bobines en même temps. Enfin, il y a tout un truc. On peut aussi mettre une EQ sur les micros, et j'ai des accordages bien spécifiques. Je peux faire passer un micro en simple ou en double, mais je pense que ça, c'est que via les presets, etc. Et ça, je ne sais pas si je sais modifier ça, justement. Je sais créer moi-même, en fait. Regarde, t'as vu le mode d'emploi, quoi. Ça, c'est un de ces bazars. Je sais créer moi-même des presets d'accordage, mais je ne pense pas que je peux moi-même, sans le programme, modifier la config des micros, en fait. C'est-à-dire si je décide de les mettre en parallèle, en machin, en série, en truc, en mûche. Setting setup mode. And the red bank, push enter. Piezo out on ring, tuning précision. Résume correction, fonction 13. Tune count, having tuning process happen once or repeat. Neck tension correction. Quoi? Ha! Waouh! T'as, ils vont loin! Hein. Donc en fait, a priori, tu peux créer des trucs genre mettre des fonctions que, vu qu'elles s'accordent toutes seules, et que, par exemple, si je passe en drop, eh ben, mon mi grave, il va passer en ré. Donc il va y avoir moins de tension sur le manche. Et en fait, il peut lui-même compenser l'accordage des 5 autres cordes en fonction de la tension du manche qui va changer parce que tu auras diminué. Une des cordes, quoi. Ça, c'est... Pouah. System Variax, ouais. Un peu, ouais. Sound select set times. Preset bank. Retuning, reset sound, all green. Mais je veux pas reset, moi. Moi, je veux... Alternate triggers, non. Et je peux pas modifier, genre, comme ça. Non, je peux pas. Cette référence, Access User Bank. Non, je peux pas. Donc, je suis obligé de passer par l'ordinateur si je veux vraiment faire une config des micros un peu différente. En fait. Mais bon, en vrai, les 8 presets qu'il y a, je vais vous faire écouter, vous allez voir, ça va être cool. Donc voilà. Il a payé pour avoir que des chansons à lui, ouais, c'est vrai en fait. T'es celui qui a le plus de chansons à toi, en fait, ici. Donc, on va la brancher, ça vous dit? Hop! Voilà! Alors, on va enlever ça. On va enlever ça, voilà. Allez, c'est parti. J'ai joué un peu dessus, vite fait. Là, elle est en mode guitare classique. Donc c'est un P90, un Burst Baker et rien d'autre. Ça va? Ça commence bien. Qu'est-ce qui se passe? Bah, mais non. C'était pas pris. Si c'est pris. Est-ce que j'ai pris le bon jack? Bah. Donc là, tu vois, là, elle s'accorde hein, déjà. Ah, oui, ok, ça va. Oh.
Voilà. Bon, c'est parti. Tu remarqueras qu'elle s'est déjà, elle est restée en détuné, quoi. Donc là, j'ai fait un peu les différentes positions avec différents styles de gain. Mmh.
Ouais, hein, mais ouais, ça fait un peu le générique de Friends. Geoff, il a fait, il a fait le générique là l'autre jour. Attends, faudrait que je retrouve. Comment ça va après la suite? Je suis pas là, le sol, mi, ce genre de trucs quoi. Pas très très compliqué, mais il faut trouver. Alors, on va passer. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu as un petit bouton avec plein de symboles dessus, hop. Et quand tu fais ça, elle se met direct en position accordage. C'est parti. Hop. Et là, elle coupe le son. Alors, si je fais tac, 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 là, je passe sur le bouton jaune. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir que c'est jaune, mais il passe en jaune. Et du coup, si je fais aller les cordes, il va s'accorder en tuning minor. Ah non, attends. Attends. Voilà. Et là, c'est parfait. Et là, je suis déjà en position minor. Drop C. J'arrive pas à faire le riff au piano, à la guitare. Comment... Je ne saurais pas faire la guitare. Donc ouais, donc ça à ce niveau-là, c'est super pratique. Alors, j'aimerais imposer pour... Ah, le drop C, c'est quand même cool. Rappelle-moi à mener le truc à des trucs qu'on joue plus depuis un bout de temps.
Avec la pédale pâle et fixe. Waouh, ça s'envoie du lourd. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est les différents presets qu'on peut avoir. Enfin, les différents presets. On peut... Ça, c'est moi qui ai créé. Donc ça, je peux... En fait, ce qui est méga cool, c'est que tu peux faire ce que tu veux comme accordage. Tu peux rentrer dans un mode où il va retenir l'accordage que tu as toi-même entré manuellement, en fait. Donc tu fais... Je peux désaccorder comme je veux, faire un truc super chromatique, super dégueulasse. Et je fais aller une fois les cordes et il va enregistrer la fréquence de chacune des notes. La note et va l'enregistrer. Voilà. Et après, tu fais ce que tu veux avec. Donc ça, à ce niveau-là, c'est vachement pratique. Mais ça, c'est les robots. C'est pas parce que c'est... pas parce que c'est la Dusk Tiger. La Dusk Tiger, ce qu'elle permet de faire, et ce que les autres ne pouvaient pas faire avant, c'est ce truc de sortir en MIDI, de combiner, je pense, le piezo et de faire des EQ sur les micros... de pouvoir changer via des presets, faire des rythmes, via les presets, faire changer la combinaison des différents bobinages que tu as. Donc, soit en interne dans ton micro, les mettre en parallèle, les mettre en série pour chacun des micros, ou aller mettre les micros en phase ou pas en phase. Enfin, c'est tout un bazar. Et moyen d'aller méga loin. Et on va essayer le piezo d'ailleurs. On va se mettre en clean ici, je vais enlever la pédale. Je vais d'abord couper tous les micros et je vais juste mettre le piezo. Alors ça frise un peu, on va peut-être la remettre en mode normal. Donc du coup, hop, ici, je rappe une fois. Hop! Ah ouais, il déconne avec le mi. Il est trop loin. Ah oui, c'est vrai, ça accordé différemment, c'est pas dans le même sens. Non, il veut pas. Ah. Voilà. Mince. Mince. Je l'ai coupé sans faire exprès. Vas-y. Ah. Voilà. Il a cassé la guitare robot. C'est pas facile, hein. C'est quand même un truc faut faire un peu gaffe, hein. Ah, c'est pas mis en mode drop. Attends, on a Denzo qui parle. Que dit Denzo? Tu ne dois surtout pas actionner les clés. Ah, tu vas niquer les engrenages. Ah oui, automode, je vais autoriser. Je pense que je viens d'entendre. Je viens d'entendre Blue à Asia râler. À mon avis, elle joue à Last of Us 2 et elle galère. J'ai raison? On va voir s'il répond. Je l'ai mis sur sans le preset pas accordage, là. Enfin pas drop D. Attends, j'ai fait voir avec ça. Parfait. Ok, donc le piezo. Si, c'est prévu. Non. Donc oui. On va entendre quelqu'un s'énerver, oui. Non, j'ai regardé, je peux modifier comme je veux, il n'y a pas de souci. Je peux, moi, le faire à la main, ouais.
Je peux modifier je peux chipoter comme je veux. Le seul truc qui est bizarre, c'est que j'ai pas compris pourquoi les cordes graves vont pas dans le même sens. Donc elles vont à l'inverse de ce qu'on a l'habitude nous en tant que guitaristes de le faire. Donc c'est un peu bizarre. Mais non, je peux parce que ils disent oui, vous pouvez modifier sans problème. C'est moi, sorry. By the way, j'ai une caisse de méca en stock. De mauvaise méca, enfin de méca robot. Oups. Donc, le piezo. Si, elle est pas juste un nom d'une... Ah ouais, mais oh mince, oh là là. Donc ce que je me suis rendu compte, c'est que elle chipotait quand même avec le drop D. Le drop D, elle a des fois un peu du mal. Mais là, on est bon. Ok, bon. Et si tu blendes ça au bridge, par exemple? Ça, donc c'était différentes combinaisons de micro avec le piezo. Donc, où est-ce qu'on en était? Je trouve l'idée bonne, mais en pratique, je trouve pas ça ouf. Ouais, non, c'est quand même pas top quand c'est sur scène. Il te détend les cordes tout seul. Ouais, faut faire gaffe, faut faire super gaffe sur le preset. Moi, j'utilise pas ça. Je peux utiliser ça en live comme ça. C'est mort. Mais je comprends, mais il faudrait que ce soit super sûr, quoi.
Load box. Tu devrais prendre une simu de Fishman. Mais alors, en fait, en soi, moi, le piezo, ça m'intéresse pas plus que ça. Quad pour le piezo. Ah ouais. Mais il doit y avoir... ouais, c'est vrai que j'aurais peut-être pu préparer ça. Si vous voulez, la prochaine fois, je téléchargerai une... Je téléchargerai un truc pour le preset de la piezo, ça peut être cool, ça peut être intéressant. Alors, dernier point avec la Dust Tiger, avant qu'on passe à autre chose. Les différents presets de micro. Alors, je vais me mettre en bridge, enfin non, je vais me mettre en plusieurs positions et je vais passer par différents presets. Ça va ? Je vais couper le piezo, hop ici, et c'est parti. Faire un truc de méga constant. Donc là, est-ce que vous avez entendu des trucs un peu différents ? Est-ce que pour vous c'est parlant ? Est-ce que vous entendez des trucs qui vous intéressent ou pas ?
D'autres avis que le mien, ça serait peut-être pas mal. Moi. Enfin, je vais vous laisser répondre d'abord. En attendant, on va regarder un peu cette guitare. C'est quoi qu'on entend? C'est Underclass Fuckers. Ah oui, ok, oui, c'est ton ancien groupe. Juste. J'aime pas mal les différentes possibilités, mais les Tronical Mecha Burke. Tronical. Tu veux dire quoi par Tronical? Ah. Ah, ah. Les mécaniques. Ah. Mais les mécaniques Burke. Ouais, on est d'accord. Donc, moi, ce que je pense, c'est que cette guitare. Ouais, t'as clairement la différence. Après, je trouve que c'est pas très instinctif comme système. Et je pense que c'est ciblé à un type d'utilisation quand même assez précise. Genre, moi, c'est mort. C'est-à-dire, précise. Tu veux dire plutôt studio ou un truc comme ça ou c'est une guitare de studio, je pense. Ouais, voilà. Il y a un câble sous le stop bar qui est... putain, je vois pas parce que... qui est entre la table et... Bon, oui, sûrement, oui. Ah oui, ou alors le... Ouais, si, oui, il y en a un. Et est-ce qu'il y en a un avec... au niveau du... Et il y en a un aussi au niveau du chevalet. Donc t'as le stop bar et le chevalet. On va la remettre un peu juste tant que ça corne. C'est vrai que si je relève les cordes, celle que j'ai encore jamais fait sur celle-là. C'est une guitare de studio, je pense. Mais ouais, donc, moi je pense... Mon avis, c'est que... Elle a une putain de gueule. Et le truc, c'est que c'est assez unique. L'ennuyant, c'est que, genre, si je veux refaire ça, en vrai, ça va être chiant. Et je l'aime bien. Moi, ce que... Je pense que je vais faire, c'est la garder, parce que je trouve qu'en plus, c'est assez unique comme guitare, je la trouve vraiment cool. J'ai envie de jouer avec, j'ai envie de la prendre en live et de jouer avec, quoi. Parce que je trouve qu'elle a la classe. Et je trouve ça super cool qu'il y a quand même pratiquement au moins 4 ou... Il y a au moins 5 câbles qui sortent de chacun des micros. Un peu... je ne sais pas combien il y en a pour... Des Fishman, je pense que c'est plus encore, c'est... studio ou alors un groupe qui veut vraiment pas beaucoup, qui veut beaucoup de nuances dans le son, concrètement, à part pour satisfaire le guitariste ou tenter des trucs, l'utilité sur scène n'est pas optimale, ouais. Après, je pense qu'il y a la communauté de gars qui aiment les robots de Gibson. Très peu. J'ai trouvé très peu de forums parlant de la Dusk Tiger, essayer de trouver des infos, il y a peu de trucs, quoi. Moi, je pense qu'en fait, là, le système, il marche, ce qui est déjà bien. Surtout à l'est. Ouais. Donc, ce que je vais faire,
C'est sûrement la démontée. À l'Est. Ah ouais? À l'Est, il y a des gens qui sont fans de ça. C'est vrai que moi, du coup, je vais sur les forums américains. Mais... C'est tous les livres aussi de la Variax Elix. Bah ouais, après, tu sais, quand tu vois la vidéo de Rabbi Massad qui, dans son truc Frogleap ou un truc comme ça, qui, où il prend, il a une Variax et il change tout avec son Elix et il fait tout, c'est conçu pour, tu vois. Et là, à la limite, si tu veux changer de son, je trouve ça plus logique d'aller là-dedans parce que là, c'est vraiment à fond, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est sûrement enlever. Essayer de comprendre un peu à quoi sert le câblage à l'arrière. Il ne joue pas avec sa variante depuis le quad. Ah ouais, c'est vrai, parce qu'il a les variations de tuning comme il veut, lui. Donc, je vais la démonter, garder les pick-up, enlever tout le système. Enfin, je pense, je vais y réfléchir parce que le truc, c'est que ça reste une guitare de collection. Mais, donc j'aimerais bien voir à quel point c'est faisable d'enlever le système, tout le truc méga chiant. De le garder bien sur le côté, de le protéger, etc. Je l'enlève et en fait, je récupère juste les câbles. On a vu le truc, c'est que ça va être... J'aime un peu moins cette musique-là. J'ai changé. À mon avis, ça doit être des quick connecteurs à l'arrière pour les micros. Donc ça, on va peut-être devoir faire sauter. Ou alors, je trouve un quick connecteur femelle et je récupère mes câbles comme ça. Ça peut être intéressant. Pour qu'on puisse garder en fait tout le système de la robot, au cas où si j'essaie de la vendre, que ce soit là. Et ouais, mais l'ambiance, c'est que t'as le tuning là, qui est à l'arrière, là, qui fait... Comment il est connecté, d'ailleurs? Il y a un câble qui passe par le manche, ou quoi? J'imagine. Denzo, t'as une idée? Bah oui, les nappes, je vais faire gaffe. Je sais pas si... Tu vois, en tout cas, je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir pour essayer de voir si c'est modifiable. Denzo, il s'occupe de guitare, ouais. Oui, mais je sens que si. Déjà, je l'ai vu ce week-end, je lui fais. J'ai un petit projet peinture. Si j'arrive avec la Dust Tiger, je lui fais. Hé! Hey, j'ai un chouette projet. Il va en avoir plein son cul. Sous la plaquette de la tête, il y a un connecteur. Ouais, donc il y a un truc, hein. Mais je peux retirer. Benjamin, t'as dit pareil. De quoi? Il t'a dit qu'il avait aussi un projet et tu lui as dit, va te faire foutre. Donc, est-ce que je peux enlever, moi, la plaque du connecteur, moi, à l'arrière, là? Passe à R9. Non, pas la R9! Mais il est fou! De toute façon, je vais le voir demain. Ah non, ça va. Ah non! Ah, il voulait la revendre. Non. Je pense que c'est moi qui vais la récupérer. Bah oui, c'est vrai, Denzo. Brack Sound a raison. Bon, oui, donc... C'est quoi, Denzo? Je te ferai... Je sais pas, je vais de toute façon l'ouvrir. Je vais ouvrir là, le devant, de toute façon. Et puis, on verra. Je sais pas comment je suis censé l'ouvrir. Je sais pas comment il tient le truc. Enfin, bref, j'ai trouvé. Et c'est pas de Mamadoué. Donc, du coup, je vais ouvrir par l'arrière. Je vais voir un peu. Et essayer de la mettre...
En fait, d'en faire une guitare super complète, mais avec. Parce que les micros, c'est quand même méga classe. C'est quand même un H90, c'est super difficile de trouver un H90. Avec du coup 5 connecteurs qui en sortent, enfin 5 câbles, donc tu peux en faire plein de trucs, tu peux vraiment en faire plein de combinaisons. Si je mets 4 push-pull, a priori, il y a moyen de faire plein de trucs. Comme sur les Fisherman, les Fishman, il y a moyen de faire des trucs. Donc voilà. Donc, ma conclusion finale. C'est une guitare qui joue vraiment bien. Elle est très confort. Le manche, on est sur un truc un peu un type 60, un rien plus gros. Un peu plus fin que la 59, mais vraiment pas grand-chose. Le manche est vraiment très agréable. Elle est très agréable à jouer parce que tout est satiné. Le binding est classe. La finition est méga classe. Je trouve qu'elle a une vraie gueule, elle a une vraie personnalité. C'est ça qui me plaît dans cette guitare. Et qu'elle joue bien et qu'elle sonne bien en fait. Quand je l'utilise sans tout le bazar, elle joue vraiment bien quoi. Fisherman's Friends. Sorry. Bon. Donc, mais ouais, le côté robot. Moyennement convaincu, quoi. Est-ce que ça tient la route maintenant? Bah déjà, c'est quasi impossible de trouver le programme. Faut être un peu un geek et faut déjà se faire chier. J'ai dû aller sur archive.org, trouver des images, enfin des captures, des backups du site Gibson pour trouver le programme. Déjà, quoi. Puis il faut trouver maintenant un OS qui est compatible. 14 ans après, quoi. Donc, ça c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Le truc c'est que j'ai peur de. Je l'ai échangé pour je sais plus combien de valeurs. Pour quand même plus de 3 000 de valeurs, je pense. Parce qu'elle est en nickel état. Il y en avait une. Je pense qu'il y en a encore une à vendre. Où je raconte des conneries. Si, il y en avait une, je pense. Hein. Desk Tiger, allez hop. Ah non! Elle était où celle que j'avais en. Celle que j'ai vue récemment là? Je sais plus. Bref, faut que j'étudie un peu la question. Mais je pense qu'en tout cas, je vais l'ouvrir. Je vais essayer de savoir un peu plus sur cette guitare parce que je l'aime vraiment bien. Sinon, je la revendrai, mais c'est un peu con parce qu'elle me plaît quoi. Donc voilà. Surtout que si je peux pas. Enfin, c'est trop le bazar d'accorder, désaccorder, tout. Ça marche relativement bien, mais si ça marche pas, t'as l'air con, quoi. Et ça peut pas marcher. C'est ça le truc. C'est là que ça craint, quoi. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que ça vous a plu? On a quand même un modèle. Et j'ai quasi. Pour trouver des vidéos de ça, actuelles. Bon, gars, c'est chaud, hein. Mais ça sonne bien. Elle sonne très bien de base. Elle sonne très bien de base et. Voilà, c'est tout. J'ai fait le tour. Voilà. Alors, c'est plaisant. Ah. Non, ça va. Vraiment que je fasse attention à ce que je fais. Just saying. Ouais, ça va être drôle comme truc. Allez, cool. Bon, alors. Alors, les gars. Deuxième chose. Ce qu'on vient de parler rapidement avec. Avec Denzo. Je vais essayer de trouver dans mon historique, comme ça je peux vous montrer. Je viens d'acheter un corps de Les Paul. Enfin, un corps et un manche. Hein. Je vais essayer de vous le trouver dans mon historique. Ok, non. Ouais, oh là là. Il me trouve pas, c'est quoi cette blague là? On est quel jour? Je cherche, attends, je cherche. Non, ça c'est autre chose. Que ça c'est des recherches.
Oh là là, ça date de quand ça? Non, je suis en janvier. Moi, je vais en février. Février, c'était quelque part par là, quoi. Allez, quoi, je l'ai vu sur Marketplace. Pas moyen de trouver une photo. Enfin, bref. Pelant, pelant, pelant. Je pense qu'il va me trouver. Bon, je n'ai pas de, j'ai plus de photos, c'est pas grave, désolé. Alors, donc j'ai trouvé le corps d'une Les Paul classique début 2000, 2002, 2003, un truc comme ça. Donc, moi je sais, en tout cas, quand je me base sur la Tac Matsumoto, je sais que c'est en tout cas une bonne époque jusqu'à 2005, 2006, un truc comme ça. Pour les corps de Les Paul. Vidé, le type a fait un projet, il a essayé de la peindre, ça n'a pas marché. En fait, il faut juste la poncer. Et je l'ai chopé pour 800 balles, un truc comme ça. Donc ça, c'est cool. Je suis content, j'ai un corps nickel de Les Paul de début 2000. Et c'est une classique. Et les classiques, à l'époque, elles ont... Classique Gibson... Vous allez voir. Elles ont une espèce de teinture au niveau des inlays. Je vais essayer de vous trouver. Je pense que. Ouais, voilà. Là, on voit. Hop. Ici, vous voyez les inlays sont légèrement teintés jaunes, en fait. Ils avaient cette idée de jaunir un peu. Peut-être taper. Ah oui, là, on voit bien. Voilà. Mais là, c'est quand même fort. Mais c'est l'idée. C'est un peu. J'ai toujours voulu en avoir une avec. Donc, j'ai un corps comme ça qui a été peint en noir un peu métallisé. Et je me suis dit, j'avais un projet de refaire, en fait, de faire une vraie gold top. Je vais vous montrer, j'en ai vu une récemment. Attendez, je vais vous montrer. Ici, je vais dans ma watchlist. Voilà, je vais vous montrer celle-là. Il y en a une qui est popée il n'y a pas si longtemps, mais le type, parce que c'est une touche en rosewood brésilien, c'est déconné. Mais voilà, la vraie avec le P90, un seul micro, etc. Moi, je trouvais ça cool. Puis après, j'ai la Joe Perry qui fait nickel, mais qui est toujours désaccordée un ton en dessous, en drop C pour minor. Et j'aimerais bien une avec un chevalet fixe. Comme époque, et donc je me suis dit, je vais me trouver une bête Les Paul classique. J'enlève les micros, j'enlève les trucs, je comble un trou, je mets un wraparound, on démonte, je la repeins, c'est ok. Ça me coûtera pas trop cher et ça reprendra mes envies, quoi. Et je tombe, j'y repensais il y a une semaine, ça, j'y repensais juste comme ça, en me disant peut-être que je revendrais peut-être bien la Junior SG. Comme ça, je récupère un peu d'argent, encore une fois, parce que le coût de la création de la Gibson, là, ça coûtera moins cher que le prix de vente de la Junior. Donc, peut-être un moyen de gagner un peu d'argent avec ça. Donc, je pensais à ça. Et 2 jours après, un corps de Les Paul classique, donc d'une bonne époque, complètement pour pas cher, parce que le type a fait de la merde avec. Mais en très bon état, mais dans le sens, il a tapé une peinture dessus qui est un peu dégueu, quoi. Il me dit, bah, c'est parfait, je négocie le prix, elle a envoyé, là, elle est passée aujourd'hui, mais j'étais pas là, ça, via UPS. Parfait! Donc j'ai un corps qui m'attend, qui est un corps de Les Paul, classique, avec des inlays légèrement jaunis. Et je me suis dit, bon, tout en restant dans mes coups, qu'on pourrait essayer de se faire un petit plan. De à quoi ça pourrait ressembler.
et ce qu'on pourrait faire avec. Alors, le seul problème, c'est que... Donc, j'allais sur Kizakei. Alors, Kizakei, c'est un site pour pouvoir modéliser des Gibson. Enfin, des guitares, en fait, en général. Donc, tu vas là, hop, ici, tu vas sur le site principal. Hop, puis t'as les Telecaster, les Jazzmaster, les Flying V, les P-Bass. Et puis, hop, ici, t'as la Les Paul. Tu vas Start Kizakei VM et c'est parti. Alors, il faut le temps qu'il charge. Bon, j'ai envie de mettre de la musique dont je suis convaincu. Qu'est-ce qu'on va mettre? Les Fall Out Boy. Hop. Alors ici. Voilà. Ça, c'est bien. Donc, ce qu'on peut déjà faire, c'est virer ça. Hop, virer ça. Virer ça. Le sélectionneur, on n'a pas besoin. Les contrôles, pour l'instant, on va les virer. Alors, le seul truc qu'on ne peut pas faire, c'est avoir une finition naturelle. Une finition, on va voir la voix, on va voir la table. Parce que, forcément, moi, je vais remplir le trou du micro neck et le trou du chevalet, a priori. Parce qu'a priori, je passe sur un wraparound. Alors après, j'hésite sur quelques trucs. J'ai toujours un dog ear, une cover de dog ear P90 que Denzo connaît bien, qui est dorée. J'ai toujours ça, que j'aimerais bien utiliser sur une guitare. Maintenant, une guitare junior avec un P90, j'ai toujours la Le Pape. Maintenant, c'est une guitare en métal. C'est pas le même son. Non, c'est pas vrai. J'ai la back, donc celle avec... Eh, salut Gotti ! Ça roule ou quoi ? Ça fait longtemps, putain. J'ai toujours la back qui est... la guitare que j'utilise pour Aberdeen pour l'instant, parce que c'est celle qui vaut vraiment, vraiment le moins cher et que je peux amocher comme je veux, et si elle se casse, tant pis, quoi. C'est ma première guitare. Enfin, première vraie guitare que je voulais, quoi. Et elle a un H90... Et donc j'ai mis le micro de la Billy Joe dedans. Elle va très bien. Donc j'ai déjà aussi une guitare avec un seul P90. Ça, j'en ai une. Ça swing à mort, merci beaucoup. Et toi ? Ça roule ? Ça fait quand même un petit temps. Ça fait un mois, je pense. Un mois. Donc, on est obligé de partir sur une couleur fixe. Enfin, en tout cas, un truc qui remplit bien. Pas un truc naturel, un truc où on voit une table flammée. Si on voit pas au travers... Ça passe pas. Il nous faut une plain color, quoi. Un truc bien épais. Alors, moi, du coup, je partais sur... sur du gold top. Moi, je veux pas un burst. Je sais pas comment on fait pour changer ça. Je pense que base lower layer. Ouais, voilà. Donc, après, je m'étais dit peut-être qu'un TV Jones, ça peut être cool. On peut faire un peu ce qu'on veut, mais le truc, c'est que... Alors, Gret, j'ai déjà fait le mélange avec la Lopa. Qu'est-ce qui vous plairait ? Est-ce qu'on met un humbucker ? Est-ce qu'on met un EMG ? Est-ce qu'on met un P90 ? Est-ce qu'on fait une gold top tout en doré ? Parce que les inlays vont être jaunes. Tu vois, un peu jauni en tout cas, donc s'il y a plus d'intérêt que ce soit tout doré, ou alors on fait autre chose. Effectivement, ça fait longtemps, depuis Star Wars de Noël, je crois. Ah ouais, c'est juste, oh le fail, c'était vraiment nul. Ça nous a pas déçu dans le fait que c'était bien nul. Donc voilà. Moi, je voulais essayer un gold top, mais ici, le gold top va être un peu dégueulasse, je sais pas, avec... Comment on fait un beau gold top avec ici? Ah, on peut faire des mélanges de couleurs.
Ouais, on peut faire un niveau de transparence un peu différent. Ah oui. Ça ressemble à... Ça ressemble un peu à un gold top, que je sache. Et si je fais... Ok, la transparence est là. Ok. Ah. Et je peux changer le body matériel? Ah, un cas silver. Ah non, attends, regarde. Vintage white. Gold métallique. Ah. Regarde, il y a un gold métallique. Ça, c'est fantastique. Donc, je peux revenir sur, sur Quoi? body color. Black plus accastillage doré again. Mais j'en ai déjà une, black accastillage doré. Avec les ignées, ça va être trop bien, ça va trop bien donner. Mais oui, mais j'en ai une comme ça. Avec un. Elle est là. On va pas refaire celle-là. Ça me va pas. Petite question de nous. On entend quoi par gold top? Gold top, c'est juste, c'est une guitare dorée en fait. C'est une couleur dorée en fait. C'est juste que c'est associé, ça s'appelle gold top dans le monde des guitares. C'est pour ça. Genre. Hop, regarde, tu vois. Ça, c'est une Gibson gold top quoi. Bon là, c'est vieilli, mais voilà, c'est doré, c'est doré quoi. C'est pas la même. Mais non, il faut trouver un truc un peu différent. Moi je l'imaginais. Je sais pas, je l'imaginais toute dorée quand même, mais ça peut être autre chose. Ou alors dorée avec un burst, c'est possible aussi. Un silver burst, ça peut être cool aussi, ce genre de truc. Par exemple, ici, on va remettre à zéro. Ok, donc ça c'est ce qu'ils appellent doré. Ok, ça va donc. Ça ressemble plus ou moins à du doré, hein, non? Peut-être plus orangé. Comme ça. C'est doré ça. Non, ça fait doré Epiphone ça. Ça c'est plus doré Gibson. Silver j'allais dire. Gold top c'est la table en gold. Le top uniquement. Ah voilà. Heureusement que Denzo est là. Silver j'allais le dire. Ouais je visualise. Merci de l'explication. Ouais parce qu'à chaque fois en fait le côté n'est pas... Sinon, t'as double gold, t'as des gold top qui sont complètement dorés, t'as des gold top dark back, genre la slash. Ouais, c'est ça, il écrit dark back sur le côté. Bien sûr, forcément, on voit pas le back, hein, sinon c'est pas drôle. Ce qui était beau aussi, c'était un... Oh, ça, c'était beau quand j'en ai vu une, ça, c'était classe. T'as Gibson Gold... TV Gold. Et ça, c'est beau. Mais l'ennui, c'est que ça dépend du grain, en fait. Regarde ça, quoi. Attends, je vais zoomer dessus. On va zoomer, en plus, c'est une photo réverb. Regarde ça, quoi. En fait, ça, c'est un gold top. Enfin, c'est un gold. Mais comme avec la même épaisseur que les TV Yellow, etc. TV Gold, c'est... Ouais. Et ça, c'est beau à mort, quoi. Mais le truc, c'est que du coup, ça dépend de ce que tu as en dessous. Et le principe du TV Gold, c'est que c'est de l'acajou. Parce que t'as pas justement... T'as pas de... Oui, mais il faut un acajou, il faut un corporeux. Le maple, ça marche beaucoup moins bien. Le TV Yellow, ils font pas ça sur du maple. Donc, moi, l'ennuyant, c'est que j'ai un corps de classique, donc forcément, j'ai une couche de maple entre. Donc, je peux pas me permettre d'avoir ça.
Bah non, ça va être dégueu. Bah ouais, mais... Enfin bref. Ouais, ça va pas le faire de toute façon. Donc ça, c'est mort aussi. Maintenant, après, t'as des... Il doit y avoir des Gold Bursts, non? Il y en a qui sont moches, il y en a qui sont dégueu et qui sont... En général, c'est pas très beau, quoi. On va dire ça, moi, je suis pas convaincu. Ouais, non, je suis pas convaincu de ça, en fait. Tu sais, sur Facebook. Ça vous parle, ça? Quoique, c'est peut-être main moche, en fait, mais... Limonti... Non, ça n'ira pas, du coup on verra transparent, ça va être transparent. Ça peut pas être un burst en fait. À part si c'est un silver burst. Un silver burst. Ne faut pas oublier qu'un silver burst, c'est beaucoup plus iconique avec un double binding, enfin un triple comme sur les customs. Et moi j'aurais pas ça. Ouais non, un gold burst, on n'est pas ouf, quoi. Sinon, ouais, Silver Burst, mais standard alors, hein. Mais plutôt antique, quoi. C'est vrai que... Genre... Pas le Silver Burst, genre clean, quoi. Pas comme ça, quoi. Pas... Pas ça, c'est horriblement moche. Mais... Ouais. Genre un peu jaune, quoi. Ça peut encore être cool. Gold Flakes. Gold Flakes, j'y ai pensé. T'en as déjà... C'est Gold Sparkle? C'est une différence si je tape Gold Flakes ou... Gold Sparkles. Ouais, forcément, ouais. Donc, j'ai déjà tapé Sparkles parce que là, déjà, les résultats ont l'air un peu chemettes, quoi. Ouais, voilà. Ça fait un peu. Ça fait M, quoi. Flex, c'est plus gros. Ouais, mais si je tape Flex, j'ai pas de. Parce que j'ai tapé Gibson, tu vas me dire, mais... Après, tu vois, genre ici... Ça peut le faire, hein. Je sais pas. On en parle, hein, c'est pour ça aussi. Gold Flakes. Oh ouais, c'est vrai, en fait. Mais lequel, attends? Lequel? C'est trop épais. Oh non, tu sais quoi? J'ai une idée. Vous avez jamais vu... Donc, je vous parlais que j'ai regardé trop Glee Guitar Show. Glee, The Mummy. Gibson, c'est une. Ce sont des. Oh, j'ai oublié. Elegant. Ça. Qu'est-ce que vous pensez de celle-là? Non, pas un Lake Placid Blue. Je vais pas taper un Lake Placid Blue sur ma Gibson. J'aime pas. Ça, vous aimez pas? C'est de la peinture, hein? Ouais, c'est de la peinture, c'est rien à voir avec le bois en dessous, quoi, tu vois.
Chez Gibson, ça s'appelle Pelham Blue. Et j'en ai vu un, il y a une R7 qui s'est pas vendue. Elle s'est pas vendue, ça a mis une blinde, elle était moche. Ouais, voilà, je trouve pas ça. Tu vois, pas convaincu, quoi. Ouais, c'est beau ça avec la peinture noire. Bah, quoique, en fait, je pense que. Le Gold Flake, c'est cool quand même, quoi. Celui-là, il ressemble à quoi? Ça a l'air too much, ça. Celui-là, il est quand même classe, quoi. Mais comment est-ce que je fais ça dans le truc-là? Bleu sur une LP, non. J'ai tenté. On peut essayer de faire ça, attends. Comment je vais faire, moi, ici? Bon, hein. Bon, alors, faut que j'aille dans Body Material. Pas H. Mahogany, non. Puis des trucs maple. Quilted, non, ça va pas le faire. Barnwood. Métallique. Spalted maple. Multiwood. Peut-être métallique base. C'est difficile hein, de faire passer le flake. Comment est-ce qu'on va passer là? Tu sais, c'est dégueu ça. Ah! Non, peut-être pas. Hein? Qu'est-ce qu'on peut. Qu'est-ce que serait comme texture? Ce serait gold foil? Genre. Un truc comme ça. Ça. Check ton messenger. Non, parce qu'il faudrait que je coupe le bruit de là. On peut regarder? Ah ouais, je sais pas. Mais ça, c'est vraiment Sparkle, hein. J'avoue, c'est classe. Je vais le montrer. Hein. C'est fort Sparkle, quoi. Je préférais le foil. Enfin, le côté... avec les craquelures. Bah oui. Mais Relic, de toute façon... Moi, de toute façon... Oui, alors j'ai trouvé quelqu'un pour la peinture. Qui est Jérôme Naon, qui est du coup la personne qui s'occupe des Gibson, enfin qui est en tout cas officiel réparateur Gibson, quoi. Certifié, ouais, certifié réparateur, je pense. Mais ça, du coup, moi, je trouve ça trop fin, Mais ça, tu vois, ça me parle. Un peu plus que la momie, quoi. Donc, il faut juste que je trouve un truc qui ressemble en texture. Ça, c'est un peu trop... C'est difficile à trouver la texture qu'il faut. Là, c'est des gros trucs. Oh, t'as impressé des petites photos, ça va, non, ça va pas le faire.
Difficile à trouver, hein. Genre la bonne texture, un truc qui va être bien, quoi. Ça, c'est dégueu, parfait, génial. Ça sent des feuilles d'or. Non, il va te détester. Comment tu fais ça? Ça va être l'enfer de faire ça. Ça, tu fais comment? Gold leaf, ah ouais. Ah ouais, on voit là. Ouais, j'avoue, il va me détester. Ouais, mais Gold Leaf, c'est cool. Gold Leaf, ça peut être sympa. Ouais, mais ici, tu vois, c'est encore bien géré, les carrés, tu vois. Sais, tu vois des liaisons, mais je trouve ça encore cool, ça peut être classe, quoi. Ça, c'est quand même cool. Ah, ça c'est bien. Voilà, ça on copie le lien. Voilà, copie le lien de l'image. Et puis moi je retourne sur Kisake, ici. Voilà. Je fais load image. Et si je mets un scale genre à 50? Connexion est pas top dans le train, j'essaye de repasser quand ça capte très mieux. Ok Gauthier, merci beaucoup. Je vais voir les jonctions. Ouais, un peu. Merci beaucoup. Et si je fais genre plus petit, si je mets 5%, il va faire. Il va peut-être faire les jonctions, tu vois. Ah non, ça marche pas. Donc 30, ok. Ok, bon. On va partir sur Gold Leaf, ok? Puis on va voir. Voilà, parfait. Ok, close. Donc moi, je retourne sur mon body color. Hop, on met rien. Ici, on met rien, on va voir un peu. Donc, ok, c'est ça. Il faut quand même que ce soit un peu plus teinté. Ouais, comme ça me paraît bien ça. Hop, là. Et puis. C'est un peu trop, hein, mince, hein, mince de mince. Comme ça? Ça parle, ça? Jonction. Si je compare à quoi ça ressemble. C'est un peu plus foncé, quoi, mais bon, voilà. Peut-être pas lui demander un burst en plus. On peut partir sur ça? Ou ça manque. C'est comme peut-être un peu mieux quand c'était comme ça. Où ça, j'en mets un autre. Ok, pas sur ça. Alors, bon, on va pas rendre, on est d'accord. J'ai pas tapé un vieux trémolo, j'en ai déjà. Il demande combien d'un pour une peinture? J'en ai aucune idée, j'ai pas encore demandé, mais j'ai du budget du coup. Un peu difficile d'avoir la couleur comme il faut, hein. J'ai l'impression de chipoter pour rien. On va dire que c'est doré. J'ai pris quoi, moi? C'était quoi l'image que j'ai prise? Je vais peut-être prendre un autre, tu vas me dire. On se chie pour rien, quoi. Non, c'est très bien. En vrai, avec un burst, mais je vais pas lui demander. Je vais pas lui demander des feuilles d'or plus un burst. Ça va, non. Ça, c'est déconner. Ça va pas le faire. Donc, tu veux un burst?
Ok, c'est plutôt celui-là que je vais changer. Non, c'est vrai. Bon, il faut que je reste sur un comme ça. Et puis celui-là. Un peu too much là, du coup, alors hop, comme ça, et celui-là, si je le diminue, comme ça, un truc comme ça. Bon, le manche, c'est un palissandre, hein. Ça faut pas. Voilà. Alors, est-ce qu'on sait juste changer neck inlays? J'ai cru qu'il allait me resetter. Et on peut pas fretboard color. Ok, je peux quand même le rendre un peu plus noir, quoi. Ah non, mais je peux le taper jaune en fait. Ah non, il change pas les. Ok. Il change pas le. Les inlays. Bon, au moins, on l'a rendu un peu plus foncé. Ok. Les inlays, on les aura pas jaunes. Ça se discute, le burst. Bah ouais. Alors. Peak guard. A priori, j'en veux pas. Donc, moi, je veux pas. No. Ah, clear. Non. Est-ce que je peux l'enlever? Non, je peux pas l'enlever. Comment je le fais pour l'enlever? Shape color. None. Bitch. C'est fait. Alors. On va pas rendre. Pas d'accord. Moi, je veux un fixed. Alors, si je me rappelle bien, il n'y a jamais droit par rendre doré. Et ça me les tape. On va le faire nous-mêmes, quoi. Ça craint. On va mettre un tunomatique doré, alors. Pareil pour. On met doré. Si on met des gold leaf, on met tout en doré. Parce que crème, ça ne marche pas bien, là, le pick-up. Grosse question, qu'est-ce qu'on met comme micro? Pendant que. H90 dog here. Bah. Attends. On va voir ce qu'il propose. Oh, pas manger. Single size. Et voilà. Jazz Master, Blackface, nope. Ah ouais, ça c'est vrai ça. T'as un bon vieux truc bleu quoi. Un filtre tron serait quand même classe aussi, hein. Pas, on le garde de côté. Format humbucker. Attends, je regarde si y a le dog ear tant que j'y étais. Il y a le chromé. Non de. Donc on avait dit, je l'ai vu passer, hein. Ah, celui-là.
si on met le ring, a priori, on le met. Bridge Mountain. Prends un noir. Si c'est comme ça. Oh non, c'est Q en noir. Pas de ring. Sauf. Qu'est-ce que ça fait? Ouais, du coup, il faudrait changer juste pour pas que l'œil bridge. Fixed. Je trouve que le Penonant Dog Ear, il marche quand même moins bien sur ce genre de modèle, quoi. Humbucker Zebra. PC Zebra. Alors, pick-up, extra pick-up. Je les ai loupés. Ça fait un peu métalleux, quoi. Et Denzo, il disait... Qu'est-ce que vous pensez? Après, il faut se rappeler que le bridge, ça va être un... On va pas rendre. Peut-être le mettre, quand même. Mais c'était chiant, c'était dégueulasse, quoi. C'est moche qu'il soit doré, quoi. Qu'il soit chromé, quoi. Ils savent pas faire un putain de doré. Allez. Et si je fais ça? Si je fais ça, c'est un peu moins choquant, quoi. On se rend peut-être un peu plus compte du résultat. Enfin, quoique, ouais, vite fait. Non, le dieu de mon dieu. On est coincé, hein. Et si c'est tout doré? Compliqué. Le zébra était cool quand même. T'es où toi, non? Pick-up. C'est vrai que le zébra, il était quand même cool, quoi. Non, un soap bar, je trouve ça plus moche. Je trouve que... On peut quand même essayer de regarder, hein. Si tu tapes... Les Paul Gold Leaf... Burst. Ok, peut-être pas, attends. Chaque chose en son temps. C'est quand même sexy, hein. J'admets quand même si on voit les liaisons, tu vois. Quoique là, c'est un peu moins sexe, enfin... Ça, c'est quand même classe, quoi. Tu vois, ça se voit un peu moins, les liaisons, ça. C'est quoi, ça? On
On va prendre celle-là en référence, c'est quand même la plus sexy. Nom de Dieu que c'est beau. Avec deux photos, ok, merci. Bon. Ok, et là, c'est pas tout doré, mais... Ok, donc, code foil, pour l'instant, il y a un burst en plus, histoire de pas se faire, de pas se faire chier. Il me faut les contrôles. Alors, contrôle, contrôle, knob. Alors, moi, je suis pas compliqué, c'est toujours des top hats. Que forcément, on va pas y avoir. Allez, un gros. Des top hats, allez, un. Comme ça, mais. Ça craint, j'aime pas faire ça. Y a pas les boutons que je veux. Un truc comme ça, pas de contrôle. Si, il me faut des contrôles. Parce que je vais splitter en plus le truc. Ok, ça, mais avec les contrôles en doré. Ça peut être cool. On pense quoi, là? Le burst ou pas le burst? Parce que je pense que... Le zébra, c'est celui qui me parle le plus. En tout cas, avec... C'est parce qu'il y a le burst, quoi. Parce que si je reviens... Ici. Nope. Là, elle est complètement nue. Regardez, si je passe sur ça. Et que je repasse sur un... Et que les contrôles, on les passe en doré. Oh, j'aime pas ceux-là, mais bon, c'est pas grave. En vrai, c'est classe aussi. Pour toi, le zébra, il marche mieux. Pas de burst. Pas de burst. En gold leaf complet, avec un wraparound. C'est vrai qu'avec le zébra, ça le fait quand même. Mais pas de pick-up ring, hein. Je pense pas. Sinon, c'est moche. À moins qu'ils aient un pick-up ring doré, quoi. À ce prix-là... Non, si. Bon, c'est quoi en fait le pick-up ring, on pourrait bien le mettre. On le met et puis moi je l'enlève. Je m'en fous. Un truc comme ça. Après, tu vas dans body, puis shape, et là, tu choisis télécaster. Non! Attends. Tu sais quoi, on va terminer ça dans Photoshop. Regarde. Hop, on va aller là. On part sur le zébra. Ok, hop. Regarde-moi bien. J'ai juste les boutons. Hop. J'ai juste envie de bien les placer, mais je ne sais pas comment. Je vais essayer de trouver...
C'est pas grave. Je peux mettre... Voilà, parfait. C'est pour me rendre compte de... Donc ils sont un peu en dessous et à côté. Attends, hop. Mais au-dessus du jack plate. Ok. On dirait quelque chose comme ça. Donc ça va être... J'ai l'impression que ça a l'air d'être la bonne position. Regarde comme c'est beau quand même ça en fait. Même ça c'est beau à mort. Donc il est quand même un peu plus bas. Voilà, on va partir sur ça. Et du bord? Oui, quand même proche. Hein. Ok, hop, on part sur ça. Je vais te faire un petit Photoshop, mais vite fait. Voilà. Presse-papier. Hop. Voilà. Et puis là, on va dans Bridge. Et puis je mets Fixed. Et puis je retape. Hop, ça. Voilà, parfait. Et ça, je fais. Presse-papier ici. Ok. Ok, voilà. Celui-là va au-dessus. Et en fait, celui, je lui prends. Ça, regarde. Hop. Ok, comme ça, et puis ça, hop. Inclinaison comme ça. Voilà. Trouve qu'il est un peu trop. Regarde si je fais saturation. Il est un peu trop rouge, tu vois. Voilà. Ça? Et ce vieux carré, ça me dérange. Oh, fuck you. Hop, regarde, hop. Effacer. Ça! C'est que le zébra, moi, je trouve ça sympa. Ça vous parle? Ah oui, trapèze jaune, juste. Ouais, je vais faire ça, attends. Je vais faire, regarde. Ici, on va faire nouveau layer, hop. Edit. Prendre un... Hop, comme ça. Et ça, on l'applique sur... Comme ça, et... Comme ça? C'est un peu, ça me semble être peut-être un peu plus foncé.
Quelque chose comme ça. Comme ça? Trop jaune? Tu crois que c'est trop jaune? Je peux le baisser, hein. Voilà, ça c'est 100. Là maintenant c'est 100, et puis là c'est avec. Il me semble réaliste. Ça, ça vous parle. C'est vrai que le zébra, c'est cool, quoi. Gold leaf, alors. Putain, il va chier. Pauvre Jérôme. Prendre dans sa tronche. Faut absolument que j'aie le corps. Peut-être que j'irai le voir samedi, ou alors ça sera pour la semaine prochaine, je vais voir. Bon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je suis désolé, Oli, ce n'est pas une télécaster. Il ne le fera pas. Ben merci. En plus, c'est un peu... C'est pas toi qui m'as dit leaf, mais t'as dit gold flake et je suis tombé sur les leafs de ta faute. Hein. Il ne le fera pas. Dis-moi que tu rigoles. Hein. Sinon, c'est Candy Custom qui va le faire. T'as l'habitude, Candy? Tu serais capable de taper des gold leaves sur la guitare? T'es doux avec tes mains. Tu vas y arriver. Ok. Ok. Ben, je sauve. On met ça sur le bureau. Hop. Je remets là. Twitch. T'as fait une guitare il n'y a pas longtemps? Tu serais chaud ou pas? Je paye grassement. Oh, pour finir, c'est génial, ça, comme chanson. Ça, ça me va. Ok. Bon. J'espère que ce live vous a plu. Avec moi, hors champ. Parce que le background est mille fois plus intéressant. Grassement, bah, je sais pas. Enfin, après, je sais pas combien ça peut coûter. Mais j'ai une petite idée. Tout ça, ça va être vu en MP, hein, je te dis. Mais non, mais d'abord, par contre, le premier truc que je vais faire, c'est d'abord en parler à Jérôme Naon, parce qu'il m'a fait... il m'avait fait un réglage et il l'a fait... il était super gentil. En plus, moi, c'était via... Vu qu'elle était achetée via un magasin, le magasin était prêt à la réparer sans problème. Et vu que ça a duré 20 minutes... Il m'a rien demandé, il était super gentil. Après 5 semaines. Ouais, désolé. Mais en fait, pour vous dire, on a terminé le déménagement de Blue Asia. Et en fait, moi, tous les week-ends, j'ai été pris pendant plus d'un mois. Puis j'ai commencé en 3/4 au centre culturel. Donc ça a été super intense. J'ai vraiment eu un mois et demi vraiment sur les genoux. C'était vraiment chaud de gérer. Et en semaine, en plus, il y avait les répètes, ça s'enchaînait, tout se mettait mal, et donc je savais pas. Déjà, il faut que j'organise, je vais refaire ici, pour ceux qui sont venus ici, c'est le bordel en termes de câbles. J'ai de récupérer tout ce qu'il y avait dans mon bureau là-bas, parce que comme ça maintenant c'est un truc avec la télé, c'est aussi Virginie, elle a de l'espace pour elle. J'ai récupéré un truc, un boîtier qui fait, comment on appelle ça, un hub
pour le MacBook, mais en gros, je branche tout dedans et j'ai qu'un câble à brancher sur l'ordinateur. Ça va être 1000 fois plus propre. Je vais faire un truc vraiment clean, neat et tout. Donc voilà. J'essaie de te venir. Je sais que tu veux venir, David. J'essaie juste de trouver... de trouver l'occasion... Enfin, de trouver un truc qui a un peu du sens, en fait, pour moi, pour que tu viennes pour une raison. J'essaie de trouver un truc. Mais on va le faire. C'est super cool. J'ai envie que tu viennes. Ah, si tu fais ma guitare... Si tu fais du gold foil, des leaf gold, on peut s'arranger. Poser des feuilles d'or en direct, ouais, on peut. Après, mais live, c'est 2h, 2h30. Hein, on va, enfin, 2h30, peut-être, mais 3h, c'est déjà. 3h, c'est déjà. Ici, quoi. Comment ça va être l'enfer? Tu vois, on est serré. C'est petit, hein. C'est la... L'optique est relativement là, enfin, elle fait un peu fisheye, hein. Tain. Denzo, il se retrouve dans un truc encore. Il dit non, il va finir par dire oui, et puis après, il va se faire tirer. Tain, je me suis fait niquer. Il va pas avoir le temps. Bon, les gars, moi, je vous laisse cogiter, hein. J'espère venir pour t'éclater avec des sauces vraiment piquantes, des bières de ouf et une tequila. Par contre, ça, les sauces, maintenant, c'est fini. Hein. Enfin, non, pas que c'est fini, on va pas ne plus faire de trucs des sauces, mais maintenant, c'est fini, les trucs de tapette. J'en ai... Maintenant, la prochaine fois, ça va tuer et ça a intérêt que ça tue. David qui pète un câble après une heure et qui éclate tout. Bon. Les gars. Merci pour votre soutien, merci d'être là. Je pense qu'on a été très constant aujourd'hui, on a eu tout le temps 5-6 personnes, ce qui est très bien, mais les plus habitués, ceux que ça intéresse, et puis tous ceux qui vont revoir ça par après en diffusé. Moi je suis pour pas le piquant. T'inquiète pas, j'ai des médicaments maintenant, qui n'ont pas servi à grand chose la fin dernière, mais bon voilà. Donc... merci pour votre soutien, ça fait toujours plaisir. Désolé pour le retard, voilà. Désolé pour l'attente. En plus, la Dusk Tiger, je l'ai depuis 3 semaines maintenant. Donc, ça tombait bien. J'avais de quoi alimenter un live il n'y a pas si longtemps. Et puis, au final, j'ai vraiment, vraiment pas su. J'ai encore des trucs qui viennent. Bah, du coup, il y a l'ampli qu'on va pouvoir faire qui tombera, en avis, dans une semaine, 2 semaines, en avis, 2 semaines. En tout cas les premières versions a priori il y a un échange qui se fait, mais il y aura les cordes à la classique, on pourra au moins le regarder, donc voilà, là en tout cas pour l'instant c'est que ça ressemble. Il y a aussi le truc avec j'aimerais bien regarder un peu le quad cortex, j'ai des presets qui ont un peu évolué, on a enregistré avec Behind the Pines, j'ai fait un super set, je vais vous le montrer vite fait, je vais le publier d'ailleurs. J'ai fait un super beau setup pour enregistrer avec Behind the Pines. Hop, je sais pas si. Attendez, à la limite, ce que je vais faire, je vais l'envoyer à mon ordinateur et puis je vais vous la montrer sur. Hop. Voilà. Ici, je vais l'ouvrir. Dès qu'il l'aura envoyé, ce serait cool. Merci. Derrière l'épine. C'est ça, oui. C'est pas drôle. Hop. Voilà. Donc j'ai enregistré avec ça. Donc du coup, il y a les deux baffes que j'ai gardées. Je vous ai dit que je les gardais. À gauche, c'est le Seriatone. Donc vous pouvez voir l'excellent travail de Candy Custom. Il a refait tout en blanc, il s'est vraiment fait chier, c'était vraiment fait chier. Avec l'AMS sur le côté, en mode plexi, parce que là, dans ce cadre-là, de Behind the Pine, j'utilise les deux en plexi. Dans Minor, bah, j'aurais là, la tête qui est en train de... dont je vous ai parlé, le plexi en modé, un plexi 100 watts modé steel slash. Avec le Denso sur le côté, alors, allez, je vais vous faire écouter une petite sortie avant. Enfin, je vais vous montrer... La strat, donc à la base, je ne joue pas du tout strat avec Behind the Pines. Et j'ai travaillé sur les arrangements, etc.
J'avais déjà tout enregistré pour une des chansons, et puis je l'ai refaite à la Strat, et j'ai trouvé plein d'autres idées, et elles sont vraiment cool. Je vais vous faire écouter juste ce passage-là, et puis après je m'en irai, ça va ? Alors, c'était... c'est celle-là. Hop. Donc là, on est avec la Les Paul. Toujours la Les Paul. Puis là, la Strat sur les côtés. Rythmique. Et puis là, la Strat. Et puis là. Et ce truc à la guitare, je l'aurais jamais trouvé sans la Strat. Je l'aurais jamais trouvé sans Denzo. T'imagines? Quel coup de pub! Et ça, c'est un rough, donc pour l'instant, il n'y a rien de mixé, c'est vraiment tout ce qu'on a enregistré. Et donc, tout ce refrain est basé... La chanson est complètement transformée. Je sais pas si... Attends, je vais quand même vous comparer. Je suppose que je dois en avoir une. La première version de Ask... cette date de modification. Ah, attends, il y a peut-être moyen. Je sais pas si... Non, il n'y a pas. Attends. Si je vais ici, je vais me remettre ici en fond. Ça, c'était de vieilles répètes, etc. Et donc, je ne faisais pas du tout ça. Et maintenant, on est vraiment sur ce truc funky, beaucoup plus léger. Avec une outro qui a du sens, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est l'idée. Et donc, voilà, c'est grâce à la Strat... que j'aurais jamais trouvé ce truc. Franchement, c'est vraiment le feeling est différent et donc tu joues différemment. Et honnêtement, les gars, les deux plexis avec les deux câbles, avec le quad cortex pour les effets et vu qu'ils sont pas vraiment en phase en fonction du préamp et de l'attache d'amplification, il y a certains trucs qui changent. Tout ça, c'est contrôlé avec le quad cortex. Ça revenait. J'avais mis deux micros, j'avais mis deux dynamiques en close sur la quasi sur les membranes et puis deux condensateurs à 40 cm. Tout ça. Retouché par après pour phaser aligner pour que ce soit nickel. Et du coup, le son de ma gratte était tellement large et trop... J'ai l'habitude de tout overdubber et faire double traqué, de faire des guitares à gauche, souvent les mêmes trucs, essayer d'être large à fond. Là, j'avais une guitare avec deux amplis et ça le faisait à mort. Je vous ferai écouter les trucs, je serais super impatient de vous faire écouter ça. Et voilà, ça va être vraiment cool, vraiment, 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 vraiment cool. Donc voilà, merci du coup à David pour la gratte. Tu vois, elle est utilisée. Et à mon avis, du coup, je ne saurais pas faire autrement que de jouer avec en live parce que ça ne va pas le faire de faire ça avec une Les Paul avec un micro. À mon avis, du coup, pour juste n'avoir que deux guitares, je prendrais la 57 et la Denso, et pas la Le Pape. La Le Pape, elle reviendra ici.
Et voilà, 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 voilà. Voilà où on en est. Donc, les prochains épisodes, on verra. Je vous tiendrai au courant pour la peinture. De toute façon, je chercherai ça d'ici là. Moi, le projet, a priori, là, la SG, elle est... A priori, elle est vendue. Enfin, non, enfin, ouais, entre les deux, enfin, c'est tout un bazar. Mais en tout cas, le corps, je l'ai. On va voir un peu comment ça se passe pour les couleurs, etc. Ok ? Ok ? Moi, je donne ouf parce que je suis mauvais. Mais non, les gars ! Pas dire qu'on est mauvais. Non, franchement. C'est quand les prochaines dates, Azan Handler ? Oli, tu me le dis. Tu les envoies par message, ok ? Tu les envoies dans le chat, parce que moi, je vais y aller. Merci d'être venu, les gars. Merci d'être velu, parce que surtout David, il est très velu. On s'appelle, on se fait une bouffe. On se la met, on se met une douffe. On s'épile. On se fait une touffe. La...